Eh bien salut à tous, c'est Maurice IZ et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite, donc saison 2 chapitre 4. Donc on va aller directement dans le code de l'île. Donc comme vous pouvez le voir, le code de l'île c'est 83 15 63 37 31 50. Donc il est écrit de toute façon en haut sur votre gauche. Donc vous cliquez sur jouer une fois que vous avez rentré le code, vous mettez en partie privée et vous faites triangle ou fou, bref. Si vous êtes sur PC, vous cliquez sur jouer et on se retrouve tout de suite dans la game. Donc une fois dans la game, vous pouvez attendre un petit peu pour gagner plus d'XP ou pas. Franchement, moi personnellement, j'attends jamais, parce que ça sert à rien. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, on est limité à 400 000 XP par jour. Donc bon, autant y aller directement et refaire le glitch, quitte à le refaire en illimité. Puisque de toute façon, vous allez gagner. Si vous gagnez que 150 000 XP par exemple la première fois, bah, vous le recommencez, vous arrêtez le jeu, vous recommencez, vous allez regagner beaucoup plus vite qu'en attendant 20 minutes pour gagner quoi, 50 000 XP de plus. Autant le refaire, enfin bref. Ce que vous allez faire directement, c'est que vous allez shooter le clear. Voilà, parce que le clear déjà, c'est beaucoup mieux, là on voit clair. Le ciel étoilé, je trouve ça dégueulasse. Enfin bref. Vous allez aller directement sur la gauche. Vous allez voir, de toute façon, il y a une maison. Regardez, on va prendre un petit peu de hauteur pour faire ça. Donc là, vous avez une maison. Comment dire? Le crâne du monstre avec l'épée Oh, le gars qui est sorti du volcan, saison 8 là. Bref, vous avez capté l'épée du robot. Vous avez une petite maisonnette ici où pareil, il va y avoir quelques boutons. La petite tour avec l'horloge en hologramme. Et le cinéma, comme d'habitude, bien évidemment. Et en plus, ça c'est nouveau, on l'avait jamais vu, c'est l'espèce de bah, d'île de cube. Donc pour commencer, on va aller sur la gauche directement sur la maison. Donc hop, parce qu'il va y avoir le premier bouton du coup d'XP AFK. Donc on va aller chercher tout de suite et ensuite on ira sur la tour derrière là-bas là, en hologramme juste là-bas. Donc vous allez directement sur la maison, hop, vous construisez un petit peu histoire de dépasser les limites de la map. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement sur la maison. On va aller sur le toit de la maison. Donc vous voyez qu'il y a un espèce de grillage là ici, là il y a une grille. Et au milieu il y a une gargouille. Donc vous allez regarder la gargouille et sur elle il y a le Secret XP. Donc vous allez cliquer dessus et là vous allez commencer à gagner de l'XP en AFK. Voilà, donc là c'est nickel. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez redescendre de la maison. Vous allez rentrer par la porte, du coup en face de la piscine. Donc, vous voyez, on est arrivé par là. Là, on est en face de la maison. Et là, il y a le petit plongeoir. Vous pouvez sauter dessus si vous voulez. Voilà. Et là, on va arriver du coup, hop, dans la maison. Vous allez ouvrir la porte. Vous allez passer derrière le fauteuil, entre le piano et le fauteuil. Donc, vous allez aller sur la gauche. Hop, arriver ici, toujours sur la gauche. Vous allez arriver au bout. Vous allez aller encore sur la gauche. Vous allez descendre les escaliers. Hop, arrivé ici, par contre, vous allez aller à droite. Pour une fois, vous allez aller à droite. Et vous allez vous rendre dans le trou juste ici. Une fois arrivé ici, sur la gauche, il y a l'espèce de lit. D'ailleurs, endroit assez bizarre, on dirait un peu sauver le monde. Enfin bref, là, vous avez l'espèce de lit de paille avec des chaînes. Vous allez regarder en plein milieu et vous avez trouvé le deuxième bouton. Voilà. Donc vous allez cliquer dessus, ça va vous donner encore plus d'XP. Une fois que ça c'est fait, du coup, vous allez pouvoir remonter. Alors cette map est vraiment bien parce que ça nous permet de pas nous TP en fait. On peut faire tous les boutons en illimité sans avoir besoin de nous TP. Toujours de revenir au spawn tout là-bas, de revenir, de repartir au spawn. Bref, ça c'est chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que une fois que vous avez pris les deux boutons au niveau de la maison, on va aller directement sur le crâne du coup du monstre, voilà, qui vient de se prendre l'épée. Vous allez aller hop là au-dessus du crâne, vous allez descendre à l'intérieur et normalement à l'intérieur du crâne vous allez avoir yes. Bon, vous avez compris, à l'intérieur du coup vous allez avoir comment dire, j'allais dire un villageois, pas du tout. Vous allez avoir un bot, voilà, qui va vous attendre. Vous allez cliquer sur le bot et il va vous donner de l'XP du coup. Alors c'est un petit peu chiant d'y aller, mais une fois qu'on y est, voilà, vous rentrez par là et là vous allez cliquer dessus, hop. Et ça va vous rajouter de l'XP en plus. Donc une fois que ça c'est fait, du coup, on va aller toujours tout droit. On fait tout dans l'ordre, hein, de toute façon. Bon, du coup, on se retrouve parce que théoriquement, il y avait des boutons d'XP ici. Mais je sais pas, j'arrive pas à les retrouver. Donc bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va passer directement à la tour tout là-bas. On va pas se prendre la tête. Hop, donc on va aller du coup sur la tour avec l'horloge en hologramme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas rentrer à l'intérieur ici au niveau de l'ascenseur. On va aller juste au-dessus. Vous voyez où il y a l'espèce d'hologramme rose. Donc vous allez vous mettre tout en haut là, hop, voilà, juste ici, vous allez vous coller dans le coin. Une fois que vous êtes dans le coin, vous allez viser en haut et hop, vous allez avoir le Secret XP. Une fois que c'est fait, par contre là, vous allez vous mettre derrière. Vous voyez que vous allez aller hop, tout en haut, en passant par derrière du coup.
Voilà. Arrivé ici par derrière, vous allez sauter du coup pour descendre dans l'ascenseur. Voilà. Arrivé dans l'ascenseur, du coup, vous allez sélectionner votre étage. Donc nous, on s'arrête à l'étage du Secret XP. Voilà. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez gagner encore plus d'XP. Une fois que ça c'est fait, bah du coup, vous pouvez remonter. En plus, on peut même pas construire. Bon, vous essayez de ressortir de là, du coup. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, du coup, vous allez redescendre de la tour et on va aller directement vers le cinéma. Hop. Voilà. Prendre un petit peu de hauteur. On va aller sur le cinéma. Arrivé au niveau du cinéma, du coup, c'est pareil. On va pas rentrer directement dans. Bah, si d'ailleurs. Je dis des bêtises. On va prendre la porte de droite. J'allais dire, on va pas rentrer au milieu, mais en même temps, qui rentre par la fenêtre? Donc, on va prendre la petite porte de droite. Arrivé ici, vous avez une caisse qui est tombée. C'est ce qui va nous intéresser. Donc, là, vous avez un petit bouton Secret XP. Vous cliquez dessus. Voilà. Et là, ça va vous donner encore plus d'XP. Une fois que ça c'est fait, vous ressortez du cinéma. Vous allez derrière. Vous voyez qu'il est à moitié détruit. Vous allez, hop, rentrer dedans. Arrivé dedans, vous allez aller sur la poubelle. Voilà, il y a une petite poubelle sur la droite. Vous allez aller, hop, sauter dessus et vous l'avez vu. Dès que vous regardez en l'air, vous avez un bouton Secret XP. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller en haut. Vous voyez qu'il y a un petit trou. Donc, hop, vous cramponnez. Il y avait une petite chaise de bureau, vous sautez dessus. Et là, c'est la même technique. Une fois que vous êtes dessus, vous regardez en l'air. Et là, hop, le petit bouton Secret XP qui est apparu. Donc là, ça c'est tout bon. On va pouvoir sortir du cinéma. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir monter sur l'île. Faudrait peut-être déjà commencer à prendre de la hauteur. Si bien évidemment, hop, je tombe pas. Vous allez aller sur l'île volante, hop, tout en haut. Normalement, l'effet de, comment dire, de planeur ne fonctionne pas. Vous allez pouvoir monter tranquillement juste en construisant. Voilà. Hop, oh bah, décidément. Enfin bref, hop, voilà. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Donc arrivé ici, vous avez bien vu, on s'est pas envolé alors que d'habitude dans la map on s'envolait. Vous allez aller du coup en direction de la maison. Mais cette fois-ci, ça va pas être sur la pointe de la maison comme le dernier glitch que je vous ai présenté. Ça va être en dessous. Donc vous voyez ici le croisement entre les deux piliers. Donc celui-ci et celui-ci. Donc voilà, ça, ils se rejoignent à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir aller juste, bah, juste là. Voilà. Donc là, ici, vous voyez que vous avez le Secret XP. Pareil. Donc vous cliquez dessus. Hop. Et là, ça va vous donner de l'XP en plus. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir redescendre directement. Hop. D'ici. Voilà. Une fois qu'on est redescendu, du coup, vous allez aller direction de l'île avec les cubes. Voilà, de l'île au cube. Oui, c'est ça, une espèce de bâtiment en cube. Donc vous allez aller directement sur le petit truc violet. Voilà, vous voyez, tout en haut, il y a un petit comme des escaliers en fait qui dépassent violet. Donc vous allez aller juste au-dessus de celui-ci. Et là, vous allez tomber sur le Secret XP. Vous cliquez dessus. Et là, c'est pareil, vous allez continuer à gagner encore plus d'XP. Une fois que c'est fait, vous allez aller au bout. Et vous voyez que derrière là, il y a un PNJ tout seul. Hop, vous allez descendre. Vous allez redescendre encore. Hop. Voilà. Et là, du coup, vous cliquez dessus comme d'habitude. Et ça va vous donner le dernier bouton d'XP de cette map. Donc, je sais pas pourquoi, normalement, il y en avait un. Enfin, il y en avait deux là-bas. Mais je sais pas pourquoi, je les ai pas trouvés. Donc, bon. C'est pas grave, ils ont peut-être été enlevés. Enfin, bref. Du coup, là, vous allez gagner de l'XP en illimité. Vous pouvez rester dans la game ou alors en relancer une si vous voulez. Pas si vous gagnez un peu plus. Parce que là, vous voyez, on est quasiment à 50 000. Si vous voulez gagner plus, évidemment, comment dire, vous attendez un petit peu dans la partie. D'ailleurs, je suis en train de penser, il y a peut-être d'autres boutons de glitch d'XP. Parce que j'ai déjà fait des maps similaires. Et normalement, il y en a un derrière ça. Alors, on va regarder s'il fonctionne toujours avant de vous laisser. Là, normalement, on faisait 5 sols. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ah, voilà, là, on a la lueur bleue. Voilà, donc là, vous voyez. Petit bouton bonus, voilà, qui n'était pas prévu. Mais j'y ai pensé, je me dis sur certaines maps de glitch d'XP, normalement, derrière ce, comment dire, derrière le marteau, on fait 5 sols et on a une petite lumière bleue, et ben voilà, et ben ça c'est fait. Donc bon, là d'ailleurs en haut, il doit y en avoir encore des bonus. Si on saute là-dessus, normalement, il doit y avoir un œuf et un ours. S'ils sont encore là, ah bah nickel, il est encore là. Donc là, il y a un ours, il n'y a pas l'œuf, ouais, dans certaines maps, il y a un œuf. Donc là, pareil, petit bouton glitch d'XP bonus, voilà. Donc comme ça, c'est nickel.
Donc, bah, au final, on n'a pas trouvé les deux boutons là, mais je vous en ai montré deux autres en plus, voilà, si jamais. Donc bon, là par contre, j'en aurai plus d'autres, on est déjà à 50 000 XP, donc c'est déjà pas mal. C'est sûr que ah, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut gagner, mais moi j'ai pas attendu. Donc si vous vous attendez, vous pouvez gagner bien évidemment plus. Moi, je préfère pas attendre et recommencer le glitch plusieurs fois, plutôt que d'attendre dans la game 20 minutes. Pour gagner le double, voilà, autant relancer la game, ça prend quasiment autant de temps, voire même un peu moins de temps. Donc bon, voilà. C'était MoreCZ, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Puis bon, on se retrouve très prochainement pour encore plus de contenu, voilà. Et si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas, parce que je sais que sur TikTok, il y en a beaucoup qui me posent des questions par rapport au glitch. Vous inquiétez pas, hein. Le glitch, en fait, vous appuyez sur option, vous faites juste arrêter le jeu, ou même vous faites retour au salon, et l'XP que vous allez gagner, en fait, est directement sur votre compte. Voilà, et si moi j'appuie sur le pavé tactile, par exemple, on voit bien tout en haut à droite que je suis niveau 163 et que l'XP augmente petit à petit, donc l'XP sera pas retiré. Enfin bref. Voilà pour certaines questions. C'était MoreCZ, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. À bientôt, ciao.